そうだろう。カオスはいるんだ。C'est joli ici. 私はここにも来たことがある。道案内はできる？無理だ。来たことがあるって思っただけだから。Attends, c'est quoi ça? Ah, distorsion naturelle. C'est le nom de la mission, tout simplement. Oh, j'ai vu un petit bug là. Bon, je vais essayer de faire un petit peu de magie sur cette map, histoire que ça monte. Tiens, ça c'est la faiblesse des vers. Ah. Putain, ils sont vachement costauds là-haut. J'ai intérêt à faire gaffe. Faut que je pense à l'égide en fait, systématiquement. C'est calme ici ce soir, tout le monde des cuves ou quoi? Moi ça va, j'ai rien bu quasiment. Comme je prenais la route après... Là-dessus, je déconne pas. Salut Nana, comment ça va? Alors, un élémentaire. J'ai pas de points. Oh, ils vont être chiants à break ceux-là. Ok, ça marche comme ça, très bien. Faut voir combien de temps ça dure, mais là déjà ça a l'air de durer pas mal. Hein. tiens. Alors, élémentaire de feu, je vous ai vu. Ok, il faut changer la météo. On va commencer par ça. Ça a l'air d'être pour la suite. On va d'abord regarder ce qu'il y avait là-haut. Voilà en fait typiquement le décor qui permet de comparer deux jeux. Effectivement le jeu techniquement il est dépassé graphiquement, là-dessus je suis complètement d'accord. Mais regardez la densité du décor. Il y a du clipping, c'est en deçà de pas mal de jeux PS5, mais le décor il est tellement fourni en fait. Évidemment qu'ils peuvent pas mettre du 4K 60 FPS avec des décors super fins, c'est une évidence. Il faut garder la fluidité du jeu. Raccourci ça. Bah oui, c'est un raccourci. On va déjà casser ça, hein, parce que sinon, je crois que ça s'arrête pas. Quoique. Alors, est-ce qu'on a des points? Pas beaucoup. Réduit les dégâts reçus pendant l'utilisation de la compétence. Ok. On va d'abord mettre ça. Libérateur, chevalier noir. Putain, mais il y a combien de classes dans le jeu, sérieux? Salut Gar, comment ça va? Je pensais que ça allait faire une boule au sol. Ça me plaît bien le samouraï en fait. Ah, je les aime pas ceux-là. Il n'y a pas de limite aux classes? Bah, je sais pas où aller, mais pour le moment, il y en a pas mal, ouais. Ce qui est une très bonne chose, hein, parce que chacun y trouve son compte. Alors après, on doit pas pouvoir finir le jeu avec n'importe quelle classe, je présume. Mais quand même, c'est cool. J'ai oublié un truc très important. J'ai oublié de libérer de la place. Est-ce que je peux les péter d'ici? Ouais, apparemment, je peux les envoyer à l'entrepôt. Non, je peux pas. Faut peut-être que je sois au niveau d'un checkpoint. On verra au prochain, parce que là, du coup, ça va faire respawn les mobs. Ça va, j'ai dormi presque toute la nuit, et la journée, je pète le feu ce soir. Tu m'étonnes. Ah, des fois, faut faire une petite cure de sommeil, hein, ça fait pas de mal. Il est où le sort de foudre là? Moi je veux le sort de foudre. Ça fait 2 semaines que t'es KO. T'as peut-être chopé un truc, hein. Alors, j'ai vu que j'avais drop une nouvelle arme. Une arme qui elle a l'air bien. Bah carrément qu'elle est bien en fait. Ah, par contre le perso il change de skin à chaque fois. Et des fois c'est pas ouf hein. Ah mince, par contre ça c'est pour samouraï, c'est pas pour guerrier. Je me suis emmêlé les pinceaux. Bon après l'attaque physique -15, non je vais garder ça hein. Guerrier, c'est le casque, très bien. On va privilégier ça quand même. Et ça. Je regarde All of Us Are Dead sur Netflix. J'aimerais prendre un service justement de VOD pour ma mère. Mais j'hésite entre Netflix et Disney. Attends, c'était quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok. Faut juste changer le temps pour pouvoir descendre. Ouais, donc j'hésite entre Netflix et Disney. Je sais pas s'il y en a qui ont... l'un voire enfin l'un ou l'autre voire les deux. Bon, comme il y a un raccourci, j'en profite. Hop. Ouais, toi Kuro, je sais que t'as Netflix. Et on n'a pas accès à la forge ici. C'est très embêtant. Le problème c'est que je peux pas... Je peux pas envoyer au coffre tout ça. Et je suis bientôt full. Tiens, tiens, il y a des matérias. Disney Plus pour un public jeune. Si c'est pour ta mère, mieux vaut Netflix. Je suis pas certain en fait. Hein. Ma mère, elle adore les dessins animés. Hein. Après, Disney, c'est Star Wars, les Marvel. Et les dessins animés, je sais qu'ils ont quelques séries, mais je connais pas les séries en question. Comment j'ai fait tout à l'heure pour trier? Ah voilà, comme ça. Parce que là du coup je peux jeter des trucs qui sont beaucoup moins intéressants. Enfin, je vais peut-être attendre d'être full, j'en sais rien. Niveau d'équipement, niveau de classe. Non. Niveau d'équipement c'est bien. Genre les niveaux 1, je pense que ça me donnera rien. C'est juste pour faire un petit peu de place au cas où. Bah ma mère, je sais pas si elle aime bien Star Wars et Marvel, je sais plus trop. J'ai oublié de changer le temps. Il y a des dessins animés sur Netflix aussi? Ouais, mais ça va être plus de l'animé je pense, non? Alors cette fois-ci je peux descendre ici, mais est-ce qu'il y avait un autre passage par là? Maintenant que la météo est favorable. Je crois pas. さてと。Putain, j'y vois que dalle. Je l'avais pas vu celui-là. Je vais le rater, évidemment. Quel est le service où on peut trouver des films sur les différentes guerres, arts martiaux, action pure? La TNT? Non, je sais pas. Je crois que je suis revenu en arrière. Je suis carrément revenu en arrière. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai tourné sur moi-même. Ouais, pour ce genre de film, Nanatoru, je suis pas sûr qu'il y ait un service dédié. Hein. À part les chaînes du... Alors je vais dire le câble, mais ça s'appelle plus le câble. Satellite, quoi. Tous ces trucs-là. Ouais, c'était par là. En fait, tout à l'heure, je pensais être revenu sur mes pas, mais j'ai fait tout l'inverse. Après, film d'action pure, ça dépend de tes attentes. Si tu veux du Steven Seagal, tu vas au vidéoclub, quoi. Ça existe encore? Ah d'accord, faut pas tomber dans l'eau là. Un point, c'est un point. Attends, il me propose autre chose. Non, c'est bon. C'est trop important l'affinité. C'est Hydros, il a dit. Les vidéoclubs, j'ai dû en voir un quand j'étais petite, mais c'est tout. Ouais, ça n'existe plus. Hein. Qui se souvient qu'il fallait se dépêcher de rendre les films en temps et en heure sous peine de payer plus? Je te jure. Alors, un point à mettre. Mais si je comprends bien, c'est un passif, ça. C'est tout à fait ça. Moi, mais c'était à la médiathèque et pas dans un vidéoclub. J'ai jamais mis les pieds dans une médiathèque. J'en ai une à côté de chez moi en plus. Ah d'accord. Ah. Faudra que je les liste tous ces trucs. Je commence à en avoir pas mal. Ça doit être assez intéressant pour l'histoire. Oupsie. Mais j'arriverai jamais à l'esquiver ce machin. Je pense qu'il faut que je le break en fait. Je peux pas esquiver. Mon papa il a aimé Deadpool mais faut pas lui parler des autres Marvel trop fantastiques. Logan c'est pas trop fantastique. Deadpool j'ai adoré. Le premier en tout cas, le deuxième il était un cran en dessous. Mais le premier était génialissime. Donc t'as essayé de jouer les autres persos, je sais même pas si on peut les jouer en fait. Ah si on peut. Non on peut pas. Je crois pas en fait, j'en sais rien. Je t'avoue que rien qu'avec le menu je suis complètement largué donc... Là j'arrive plus ou moins à le maîtriser. Tiens, si on regarde ça, communication, ok. Résonance avec un allié, ça c'est pour qui se lâche au niveau des techniques. Donc je pense pas que je puisse changer en fait. Hein. Je sais vraiment pas. Je viens de changer le temps ou pas là? J'ai un petit doute. Ouais, il pleuvait. Le deuxième Deadpool en version censurée, bah j'ai cherché la censure. Je m'en souviens plus trop, faudra que je me le remette. Ouais, j'étais en pleine action là. Oh, oh c'était une horreur la caméra. Hein. Putain mais il m'énerve l'autre là-haut là. Ok, bon, ça va, la caméra, c'est pas trop ça ici. Hein. Un peu chiant ce combat quand même. Hein. En fait, j'oublie un truc très important. C'est mes fragments d'anima. Je vais m'en servir pour le mage, je pense. Ah, j'en ai quelques-uns quand même. Hein. C'est quoi ça? Attends, le mage il est vénère en fait. Mage blanc. Prenez le contrôle de la situation avec des sorts de guérison et de soutien. Interesting. Les effets des sorts de magie blanche varient selon leur type. Les sorts de type soin régénèrent des PV. Ceux de type récupération régénèrent temporairement vos PV automatiquement. Et ceux de type vie permettent de ressusciter un allié. J'avais même pas fait gaffe qu'ils pouvaient mourir, ceux-là. Les sorts de type booster augmentent votre vitesse de déplacement. Ceux de type garde réduisent les dégâts physiques. Et ceux de type barrière réduisent les dégâts magiques reçus. Type lumène émet un projectile lumineux qui poursuit l'ennemi. Très bien. On a le mage rouge, le mage noir après. Et je pense que quand on aura maîtrisé les trois, je sais pas, ça donne peut-être un super mage. Ah, un petit raccourci là-haut. Faut qu'on change le temps pour pouvoir descendre. Tout là. En fait, je suis bête pour l'électrochoc s'il n'y a que l'égide. Je pense que ça marche dessus, ça marche surtout, il me semble. Et comme je l'ai dit, je prends pas encore l'habitude de l'utiliser systématiquement pour les attaques de ce type. Ça va venir. Ça a eu bien ce machin, hein. Oh la clé mort violette. Ah putain, j'ai glissé. Je vais quand même remonter, parce que j'en aurais peut-être besoin. Même si ça m'étonnerait. Donc à faire. Bonsoir Zerk, comment vas-tu? Sois le bienvenu. Ah merde, je suis full. C'est ce que je craignais. Ça va, ça va. Alors tu aimes le jeu carrément, carrément. Il est vraiment chouette en fait. J'ai bien fait de lui avoir donné sa chance. Bon, il est pas sans défaut, hein, mais franchement, il est très très cool. Il faut que je jette des trucs tout pourris. On va déjà jeter ça. Tu as déjà joué en multi? Non, pas encore. Appuie sur carré, mais au dépôt. J'ai essayé, mais il n'est pas accessible apparemment. Je voulais les mettre au dépôt. Alors attends, je vais réessayer. Tu vois? Je peux pas. Ah, avec un cube on peut? Il me semblait avoir essayé, mais peut-être je m'y suis mal pris. C'est sûr même. Bah tu sais quoi, on va remonter. Vivement ton jeu de pirate parce que j'aime pas ce jeu. Oh, tu lui donnes pas sa chance, Nanatoru. C'est ça quand tu dis cube en fait? Ah, j'étais pas passé par ce menu effectivement. Il me semble pas. Yes. Merci du coup. Donc tous les petits là, hop, ça dégage. Déjà, si je mets tout ça... Hop, sans place. Nana, il aime rien de toute façon. C'est vrai qu'il aime rien. Ah, j'ai pas le temps. Si tu veux tester le multi, après je serai dispo. Ouais, peut-être pas ce soir. Mais à l'occasion, ouais, pourquoi pas. Parce que ce soir, je suis un peu rincé. Je sais pas combien je vais faire de missions, mais je vais pas en faire beaucoup. On peut jouer à combien d'ailleurs dans le jeu? Autant qu'il y a de personnages secondaires là. Jade et H. C'est moi que l'on traite de vieux. Ouais, mais j'étais pas chez moi aujourd'hui, gars. Moi, j'ai pas siesté. Hein. On peut jouer à 3, c'est sympa. Tu verras, c'est super sympa en multi. Ça va être vachement dynamique en tout cas. Là, on se rend pas trop compte avec les deux personnages non joueurs, mais... Ça doit envoyer dans tous les sens, quoi. Ah, je sens qu'on arrive au bout. Vu ce qu'il y a au bout, c'est sûr et certain. Tiens, j'en ai un meilleur. Avec plus d'affinité, c'est cool ça. Ah mais non, c'est samouraï encore. De toute façon, celui-là, ouais, il commence à être trop bas. Tant pis pour l'affinité. Celui-là, par contre... Putain, la tenue. C'est le futur, quoi. C'est pas mal tout ça. Katana gardien. Ok. Cigare, j'aime. J'ai aimé Wolf. Ah non, World of Final Fantasy. Chrono Cross, voilà, j'aime des jeux. Bon, là-dessus, je peux pas lui jeter la pierre à Nanatoru. Il vient de citer deux jeux que j'ai absolument adorés. Non, Nanatoru, il a bon goût, mais c'est vrai qu'il est très jeu rétro. Même sur, si World of Final Fantasy, c'est pas un jeu rétro. Loin de là. Si je me buff, est-ce que je vais le garder le cri de guerre? On verra. Tiens, tiens, tiens. Non mais alors lui il fait une fixette sur Chaos, quoi. La mue. Ok, pourquoi pas. Et mon buff est resté, ça c'est cool. Oh non, pendant que je me soignais. J'ai mal démarré, hein. Ça s'esquive pas ça. Enfin si, ça s'esquive mais ça se bloque pas. Ah, j'aurais pas dû rush comme ça. Ça c'est fait. Cool. La mission principale, un sentiment de déjà-vu, est maintenant disponible. Très bien. Avant toute chose. On va désassembler des choses. Donc ça c'est trop bas de toute façon. C'est même pas classé par level en fait. Faut que je change le filtrage. Niveau d'équipement. C'est bien ça. Tout ce qui est en dessous de 15, de toute façon minimum, ça dégage. Hein. Peut-être même 20. De toute façon, c'est sûr, je vais pas me prendre la tête avec le stuff. Hein. Ça sort d'où ça? On dirait que ça se désassemble pas. Ah, mais je crois que c'est leurs habits de base. J'en sais trop rien. Voilà, il y en a pas mal. Pareil, je vais virer tout ce qui n'est pas 20 et plus. Regarde ce loot, on n'est pas dans un FF, on est dans un Diablo. Pas d'accord. Pourquoi pas en fait? Qu'est-ce qui définit un FF selon toi? Oh putain, elle est stylée celle-là. Bon après on s'en fout mais bon. En plus, c'est pour le guerrier, affinité guerrier. Enfin, c'est pas pour le guerrier, mais il y a une affinité guerrier. Voilà, j'ai viré tout l'équipement en dessous de 20. Améliorer un effet. Le problème, c'est que de faire ça sur ce type d'équipement, bon, peut-être que je devrais garder en fait. Là, de toute façon, j'ai pas les matériaux puisqu'il faut du violet. À mon sens, il faut que je garde les trucs pour un plus haut niveau. Puisque j'arrête pas de changer de stuff. On va tout de suite faire la mission secondaire, je pense, puisque l'autre est 33. Donc avant qu'elle soit complètement inutile. Art du forgeron. Ah, en plus, il y a un truc intéressant, là. Allez, let's go. Ces souvenirs appartiennent à une inconnue, à une certaine étrangère, d'une profonde gentillesse. Cette femme progressait parmi les ténèbres pour protéger le peuple. Un jour, elle a appris qu'une distorsion naturelle en créait et s'est rendue sur place pour mener l'enquête. Elle y a trouvé un monstre de petite taille, mais qui... Attends que ça revienne. Mais qui, contrairement aux apparences, renfermait une grande quantité de ténèbres. Lorsque celui-ci a tourné son attention vers elle, elle s'est rendue compte qu'il avait lui aussi excédé sa limite. Toute la rancœur de ce dernier a enveloppé les alentours en un instant, et elle a été tuée par son attaque. La haine de cette femme envers l'effrayant ressentiment du monstre qu'elle a aperçu juste avant sa mort a transcendé ce monde et persiste encore, essayant d'assouvir sa rancune. Let's go!